pasteur. Et un message vraiment m'a dit, nous réfléchissons vite. Songez qu'un bon, on l'a fait la parler, il dit que l'on fait voir qu'il y a plus de valeur même à son l'homme. Et il dit, comment ça fait? Il dit, les bois, fait bois détaché de l'arbre, lui tomber, il a fait même plusieurs années, il va sentir va pourri, il va sentir l'homme, une fois que notre Dieu lui retire le souffle dans nous-mêmes, et bien après 72 ans, il respire, il va respirer. Il dit, voilà l'homme. L'homme n'est rien. Il a regardé que l'homme, il y a toujours un perpétuel recommencement, nous fait, nous grandit, et après nous fait grandir, soit le travail, il a des mots à travailler. Matin, on les voit à travailler. Puis le travail, on fait la caillou. Vous dormez, demain c'est des jours encore, ou le travail. Vous mangez, ou le travail, Routine. Eh bien, on routine. Jusqu'à ce que nous retournions dans la terre d'où nous avons été tirés. Et vous comprenez, regardez un petit machin de pistache dans le bloc sanatorium, songez là. La petite pistache là, petit palais pistache là. Je dis mes amis, là, moi la palais pour côté. Chaque jour, moi-même, moi, calé petit pistache là. Moi, je grille ce pistache là, je vais revenir. Après ça, ça me vient là, je vais marcher ce pistache encore. Je vais aller manger. Chaque jour, c'est un commencement, un perpétuel commencement. Et après ça, tout va aller. Regardez, assiste ton grand nez qui t'a parlé. Dis, mon cher pasteur Daniel, l'homme n'est rien ici-bas. Dis, moi-même, je vais moi-même, moi, je n'ai pas de santé. Et si, et il y a des gens qui ont tout pour nous chercher l'argent. Il y a de l'auto, il y a de chercher l'argent. C'est-à-dire que moi-même, moi, je n'ai pas de santé. Si vous êtes capable de moi, santé par vous, ça ne paye pas l'argent. Si vous êtes capable de faire trop avec vous, vous êtes capable de faire trop. Donc, le Seigneur, notre Dieu, eh bien, c'est lui-même qui est vraiment chef. Pourtant, pile pour l'extraordinaire message. Un message qui m'a dit pour nous capables de réfléchir sur lui. Que notre serviteur, savait que notre frère, savait vient de nous communiquer, m'a dit davantage pour nous capables sages. Pour nous capables sages. Et pour contempler le message ça. Donc, nous n'avons rien sur la terre. Et. Regardez l'homme par mettre importance à bon Dieu, à la parole de Dieu. Gon baye qui dit, matin, d'abord, on va gagner. Eh bien, si on a un milliard de dollars, la parole de Dieu avec un milliard de dollars, qui ça, qui choix idéal? Eh bien, choix idéal là, eh bien, c'est rester attaché avec le Seigneur. Passer toute bagaille. Passer. Amen. En tête, moi-même, personnellement, madame est au courant que autrefois, elle était belle dans tu. Donc, elle était très correct. Et je suis certain, madame, elle était profile dans dame. Parce que dame était bon. Mais quand il y a dame, elle commence à pourrir. Ça tombait, elle tombait. Et ça fait que si là, elle commence à finir. Et je connais un lieu qui a privé, dans lequel je dois parler encore. Donc, c'est la règle. Alléluia. Ça que je dépends dans mon Dieu, là. Amen, amen. Et je suis retourné dans la terre, côté de Sotia, et avec le Seigneur. Alléluia. Je connais ça très, très bien. Je te dis que avec tout le temps, on a bouché ou bien. Mais quand on est privé, bouche ou faux. Bouchou Fobo, et pendant Bouchou Fobo, et ça dépend de madame Coquin, elle doit quitter ou à cause de Bouchou Fobo. Mais maintenant, elle va quitter. Amen. Donc, vous comprenez ça très bien.
c'est lui qui a dit qu'il y a un bel afou, bel popo, et j'en garde. Et la gare des Kounia, la gare des Babi qui blanche. La gare des Kounia, il chauffe. Et l'homme derrière, derrière ici. Ça qui est essentiel pour nous-mêmes, c'est de nous attacher avec le Seigneur. Avec les trompettes, là, il va sonner, nous tous nous voilà. Et un jour, nous nous tous capables avec mes frères. Nous prenons encore. Nous allons chanter, mes frères et mes soeurs, comme c'est une routine de faire un appel si bon monde qui part à la main. Eh bien, avancez. Et bien pendant que nous chanté 146 des chants d'espérance à la voix de Dieu, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Alléluia, si bon monde, pour faire la paix avec mes parents, c'est une petite rapproche. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort. Yeah.
évangéliste, notre frère, celui qui vient de livrer ce message extraordinaire, cette nourriture rare que le Seigneur notre Dieu vient de nous communiquer. Nous allons prier pour notre frère, pour notre bien-aimé. Nous allons prier encore pour l'église évangélique du dernier temps. Nous allons prier pour les anges de cette église. En l'occurrence, notre pasteur Souni avec sa famille. Nous allons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, puisse fortifier son ministère. Nous allons prier, mes frères et mes sœurs, pour nous-mêmes. Nous allons prier, eh bien, pour que nous puissions rester attachés, branchés, connectés avec le Tout-Puissant. Pour qu'aucun vent, n'est-ce pas vrai, de ce siècle, eh bien, ne nous soit ravi de notre Seigneur de la mer. Alléluia. Nous prions pour que le Seigneur, notre Dieu, capable, eh bien, mon esprit, n'est-ce pas vrai, d'humilité, pour que le moi, n'est-ce pas vrai, puisse être déraciné dans nous-mêmes. Tout ça qui pourront nous faire croire que nous sommes quelque chose. Et la Bible dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Nous tous qui vivons sur cette terre, sommes que poussière. Nous allons prier le Seigneur notre Dieu pour que ça qui est plus important dans notre vie, à l'instar de Marie, et sa vraie qui était Chita, à genouiller l'homme maintenant, Marie, et bien Marie a trouvé la bonne place, la bonne part. Et nous prions le Seigneur. Père, sois loué dans les cieux et sur la terre. À l'instar des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, les trônes et les puissances, tous les esprits des cieux, Amen. Tous les habitants des cieux Amen. Sont en train de dire sans cesse sainteté, sainteté, sainteté à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, celui qui a créé les cieux et la terre, et avec toutes leurs armées, nous, Père, qui sommes sur cette terre, une terre de bandits, une terre de chimères, une terre éternelle, notre Dieu, où trouve toutes sortes de méchancetés, Père, dans le nom puissant et extraordinaire de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, celui qui a accepté d'abandonner, eh bien, son fauteuil royal, éternel, notre Dieu, pour venir ici, dans ce monde, de péché, éternel, notre Dieu, afin de payer, afin de se donner, éternel, notre Dieu, eh bien, au rachat de notre péché. Il s'est donné en rançon, éternel, notre Dieu. Il a été battu pour nos péchés. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et ce sont par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, nous te disons merci pour l'extraordinaire sacrifice que tu as consenti en acceptant, Père, de sacrifier ton Fils, éternel, pour venir, éternel, dans ce monde, éternel, notre Dieu. Il est mort pour nos péchés, il a été battu, éternel, tabassé, pour qu'aujourd'hui nous ayons ce salut. Le salut, éternel, notre Dieu, qui te coûte très cher, parce que c'est ton Fils que tu as accepté, éternel, de flageller, de sacrifier, pour qu'aujourd'hui, éternel, notre Dieu, nous ayons accès auprès de toi. Père, depuis le déchirement du voile, l'éternel qui a été déchiré en haut et en bas, pendant la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel, notre Dieu, nous avons accès auprès de toi. Amen. Et nous te disons merci pour les clés du royaume que tu nous as donné, Père, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Père, nous te disons merci, éternel, pour cette nourriture extraordinaire que tu viens de nous communiquer par le canal de ton serviteur. Davantage, éternel, notre Dieu, nous te demandons de continuer à le bénir.
merci éternel pour toutes tes bénédictions, pour toutes tes grâces, pour l'encadrement dont nous sommes bénéficiaires de ta part. Père, ce que nous voulons te dire cet après-midi, c'est nos remerciements à toi, nos actions de grâce à toi, nos reconnaissances à toi, éternel, pour tout ce que tu as fait pour nous. Père, nous profitons de cette extraordinaire opportunité, éternel, pour te présenter l'église évangélique du dernier temps, éternel, notre Dieu, dirigée par notre pasteur, pasteur Sonny Pierre, avec tous ses collaborateurs, pasteur Gary et autres voix, éternel, notre Dieu, les frères et les sœurs de cette église, de cette église, éternel, notre Dieu. Nous te demandons, éternel, de fortifier le ministère de notre pasteur, éternel, de bénir cette église abondamment, éternel, notre Dieu. De bien vouloir nous aider à faire face, alléluia, à ces factures de cette église, alléluia, à honorer. Et reste avec nous, éternel notre Dieu. Merci, alléluia, d'imprimer ce message de nos cœurs, d'écrire ce message de nos cœurs, éternel notre Dieu. Nous ne sommes rien, éternel, sans toi. C'est toi qui es notre force, éternel. À l'instant, serviteur qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Père, reste avec nous. Prière d'ouvrir les vannes de bénédiction céleste afin de pouvoir verser dans cette église éternelle, de bénir cette église éternelle. Tous les musiciens de cette église sont devant toi. Tous ceux et celles qui font le travail pour toi, qui contribuent pour l'avancement de ton œuvre. Nous te demandons là où ils se trouvent de les bénir éternellement. Alléluia, accompagnez mon Père. C'est la notre prière cet après-midi. Dans le nom puissant et extraordinaire de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Celui qui vient avec toi dans la plus parfaite unité. Avec toi et avec le Saint-Esprit. Les avant tous les temps, hier et pour les siècles des siècles. Amen. Sois saint, béni soit l'Éternel. Sois éternel. Davantage la voix de vos yeux pour que le capable imprimer et savoir et écrit et bien message aujourd'hui dans nos têtes. Si Pasteur Sonny n'a pas rien pour le dire encore, nous demanderions à notre frère bénéni, frère Salomon, de prononcer pour nous les mots de bénédiction à la gloire de Dieu. Nous sommes debout, la bénédiction, les amis. Somme 8, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le service a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et que tu peines garder à lui. Et Moïse a dit dans le Somme 90, apprends-nous Seigneur à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que te donne la grâce de Seigneur, sur Jésus-Christ, l'amour de Père, la douce et timide de l'Esprit Saint, ainsi de mort. Le cœur de chacun de la présence que la fait laisser. Car les appels que Dieu nous laisse. Amen. Amen.